Bonjour! Elle arrive! Quoi, tu dis que j'ai une tête de cul? Pas du tout! Ça, bah, c'est exactement ce qu'elle a dit. Je n'ai jamais dit ça! Moi, c'est ce que j'ai entendu. Incroyable! Non, c'est un style. C'est un style. Dommage. J'ai le pantalon ouvert. Bonjour, on espère que vous allez bien. Journée 4 au Svalbard. Quatro! Voilà! Nous n'allons pas faire un gros brief dans la cuisine cette fois-ci, il faut qu'on trace. Puisqu'on va aller à l'église voir le Festival du Soleil. Alors, c'est moi ça. C'est toi. C'est la tienne. Non, la mienne, elle est rangée dans mon sac. Spoiler, Festival du Soleil, le jour où le ciel est le plus couvert. Il va faire un petit peu froid. On va voir les enfants chanter. C'est tout ce qu'on sait de ce festival en fait. Mais tout va bien. Bonjour, Bagheera Jones. Alors, Aujourd'hui, je me suis réveillée avec un petit mal de dos. Bon, c'est des choses qui arrivent. Avec une chère Trinity qui a décidé d'ouvrir des protein bites à 7h du matin. J'ai compris que je t'avais saoulée. En fait, j'ai compris. En fait, j'essaie de pas faire de bruit. Et en fait, moi, je me lève super tôt par rapport à tout le monde, donc je peux pas les déjeuner. Donc en fait, j'ai ouvert des petites protéines croquantes et ça a fait un boucan dans la chambre. Ça a fait. Et t'es là, tu fais quoi? J'ai refait. Hein? J'étais là, je suis désolée, je suis en train d'ouvrir mes protein bites. Et après, je t'entendais mâcher. Et oui. Bon, bah, je suis réveillée, en fait. J'ai pas fait exprès, non, je suis désolée. Non, je sais que c'était bienveillant. Je sais. Enfin, que c'était pas malveillant. Je sais, j'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que j'ai eu ce moment de. Non, mais j'ai senti que je t'avais gavé, j'étais là, putain. En fait, tu m'as pas gavé, mais tu sais, quand t'as la sensibilité du réveil, ouais, t'es un peu genre. Hein? Et du coup, j'ai mis mon petit coussin sur la tête et j'étais. Oui, après, j'ai compris quand t'as mis ton coussin sur ta tête, j'étais là, je l'ai saoulé. Je l'ai saoulé de ouf. Ouais, c'est un réflexe, dès qu'il y a du bruit, je fais ça, tu vois. Et en plus, après, du coup, tu commences à entendre que tout le monde ronfle autour. Enfin, on respire pas le bonheur, là. Ah, et la joie. J'espère que Max. C'est pas le moment de faire ça. J'espère que Max, le monteur du Rewind, est vraiment sur tous les lives. En fait, on a passé des jours à voir deux personnes à la suite. Ouais, tu vois personne, c'est ça. C'est assez ouf d'être entouré de monde. Je les vois, il y a un train de la hype. C'est assez ouf de dire qu'il y a tout le monde. Il y a toute la ville là. C'est trop bien. C'est vraiment une communauté, tu sais, dans le chat. En fait, c'est chiant côté, c'est pour des enfants qui chantent, tu vois. Oui. C'est touchant que tout le monde se déplace pour ça et tout. Genre, ah, puis je voyais le chat avant-hier, je crois, où les gens ils disaient ah, j'ai vécu au Svalbard. T'as un autre mec qui disait ah, mais tu as vécu de quand à quand? L'autre il disait 2017-2018. L'autre il fait ah, mais je suis sûr, je vois quitter du coup. Il y a tellement personne en fait que. C'est ça, c'est clair. T'es en mode ah, ouais, il y a un autre français, je vois qui c'est quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est trop bien, on va bien profiter avec vous. Ah, merci, c'est cool. Okay. Ouais, j'ai l'impression qu'on se réchauffe avec les corps autour. Ah, oui, ça c'est sûr, par contre. C'est comme ça que ça marche, hein. Ah ouais, c'est sûr. Je vais voir beaucoup de rugby au stade. Même à moins 10, t'es dans le stade, t'es trop bien. Tu sors du stade, t'es au bout de ta vie. Là, on n'est pas collé, tu vois, mais tu sens quand même que. Non, ça va. C'est la rue, mais tu vois. Oh, les Beatles. It's all right. Little darling. On va pas rentrer dans ces sujets-là parce que après ça va me trigger, hein, mais c'est un sujet qui est revenu nécessairement. Je fais pas la sourde oreille aux 2-3 personnes qui ont fait des remarques sur le fait qu'on venait en avion. Non, j'ai pas fait la sourde oreille, je réponds aux gens. Ah oui, sur. Non, t'as pas fait la sourde oreille. Non, j'ai pas du tout fait la sourde oreille, j'ai répondu à quelques personnes et. En fait, je pense que c'est toujours, en ce moment, il y a une espèce de conjoncture au niveau des gens qui font que dès que tu prends l'avion, en fait, on te prend pour la dernière des merdes et tu es responsable en fait de absolument toute la pollution mondiale. Ouais. J'aime à rappeler que je ne me sens pas
personnellement responsable de toute la pollution mondiale et surtout qu'en fait on a un impact, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit voyager tout le temps, mais ça ne veut pas dire non plus que, comme beaucoup d'entre vous, on doit complètement se priver de tout. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand tu voyages comme ça, tu puisses faire passer les bons messages, en tout cas si tu es une personnalité publique et que tu en as envie. Tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à ça, mais je pense qu'on essaye de les faire passer, d'en discuter, et que non, c'est pas parce que Trinity a pris, ou Dylan ou Bagheera a pris une fois l'avion pour vous faire du contenu et pour à la fois avoir un côté fun, à la fois apprendre des choses et aussi discuter de ces sujets-là, que d'un seul coup on est en train de complètement changer la face du monde par nos actions. Je pense qu'on peut apprendre aux gens à voyager. Et j'en reste persuadée, mon métier maintenant, c'est presque plus du gaming, c'est voyager. Et c'est aussi apprendre aux gens comment voyager mieux, comment mettre en avant tout ce qui est local, etc.